Salut Marine. Bonjour Christine. Eh bien alors, on est en avant-première puisque manifestement, personne n'a encore vu cette exposition. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'elle démarre officiellement pour que la foule se précipite ? Alors, vernissage vendredi, mais il y a déjà plein de monde, vendredi, donc venez vendredi prochain, le 28. Et ça s'est déjà prolongé jusqu'au 2 juin, donc vous avez 2 mois pour venir vous balader dans mon univers et dans le vôtre. Pour ramener du monde. Voilà. D'accord. Alors là, on est devant un monsieur qui m'a un peu fait peur quand on est arrivé. Et puis après, j'ai décidé qu'il ressemblait à Daniel Craig, sauf qu'il faudrait lui peindre un œil en bleu. Tu peux nous parler un peu de cette installation ? En fait, cette installation marche avec le globe qui est à droite, voilà, derrière nous aussi. L'armée, la guerre, c'est un des plus grands pollueurs, à mon avis, vu tout le nombre de sous-marins, de bateaux coulés, de tanks, de machins, etc., qu'il y a au fond de l'eau. Et donc, là, j'ai fait un champ de bataille, comme on voit dans les films, où il y a toujours un homme bien bardé de décorations. Et au lieu d'avoir l'équipe de droite, l'équipe de gauche, là, comme au foot, et ben là, il y a la machinerie, donc les humains contre les animaux, la préhistoire. Et il admire tout ça. Et il a tellement de médailles qu'il les a mis dans son bocal, le parfait. Super, le parfait. Et donc, ça raconte la pollution de la guerre dans notre pauvre monde. Et là, c'est le globe. Le globe qui est une map monde et j'ai regardé, comme je suis née dans les remparts de Vauban à Concarneau, j'ai imaginé combien de conflits il y avait eu dans le monde depuis 1957 à 2023 et donc j'ai pris un globe et j'ai fait un petit trou à la perceuse à chaque fois qu'il y avait eu un conflit, donc des morts et j'ai mis des pics parce que comme s'il y a des lumières, on ne voit pas les petits trous. Donc, j'ai mis des pics et ça fait une map monde porc qui pique. Et il doit y en avoir 122, je crois. Voilà. En gros, cette scène, c'est quand même un très, très gros pollueur. La guerre. Voilà, ouais. La guerre. OK. Voilà. D'accord. Avant la guerre, parce que dans l'ordre, on commence par le cochon, qu'on a souvent vu dans ton jardin, d'ailleurs. Mais il n'était pas de cette couleur-là. Non, hybride. Il était hybride, en fait. Il s'entendait bien avec une girafe. Et donc, il s'est retrouvé avec la peau d'une girafe. Il a passé quelques années... J'ai jamais vu des girafes rayées. Non, celui qui est dans le cadre, il était jaune. Il était libre, il était content dans la nature. Et un jour, il a été enfermé. Il y a toute la légende. Et en fait, c'est horrible... Il était fier d'être dans la nature et maintenant il est enfermé dans un bloc de béton sur une grille de fer. Et en Chine, ils font même des immeubles de 5 étages
pour élever des cochons avec plus rien, sauf qu'ils ont du E2, du E10, du E40, du E-machin, de l'eau, etc. Et on mange de la merde. Donc, vive les cochons libres. Top. Donc là, il y a des très beaux bois flottés à partir desquels tu as élaboré des textes. En fait, ici, la nature nous observe. J'ai juste rajouté un œil. Sinon, c'était exactement comme ça. Celui-là, je l'ai trouvé. La nature nous sourit. J'ai le droit, quand je trouve un bois, de rajouter, enfin, c'est une règle que je me donne, une seule intervention. Donc, j'ai rajouté juste un trou pour l'œil. Tout le nez, la bouche, tout était comme ça. Je l'ai trouvé au bord de la Dordogne. Ici, il y a ça, c'est dans la série Entrave du temps. La nature nous épouse. Pendant... Est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce que tu veux dire par entrave du temps? Ben, je l'ai entravé, tu vois. Là, j'ai entravé l'œil, là, j'ai entravé une biquette. On l'entrave quand on lui met une ficelle autour des pattes. Là, je l'ai attaché dans l'arbre et l'arbre a poussé autour, pendant 5 ans, autour de l'angelot. D'accord. Là, on le voit sous la neige au tout début. Voilà. Ah oui, il avait encore j'ai entravé la jambe qui dans dépâture. Voilà, tu vois là. Et il y avait une branche qui faisait son zizi, mais elle est tombée. Ok. Et là, c'est pareil, entrave du temps, avec une pioche. En fait, l'arbre était comme ça. J'avais mis une pioche dans l'arbre. Ça a poussé autour. Et maintenant, je le présente dans l'autre sens. D'accord. Voilà. Là, ça va tomber, non? Non, non. Et ça s'appelle bois d'arbre et métal de pioche. La dernière, toujours dans la série Entrave du temps, c'est un palmier qui a poussé dans une poubelle en plastique noir. Donc, on dirait un nid. Un nid d'oiseau. Oui, c'est pas un nid. Et donc, j'ai renversé la poubelle parce que j'ai planté le palmier dans dans le jardin. Et j'ai coupé les racines. Et je les ai passés au Karcher et lavé. Et c'est très joli, voilà. La nature fait des choses merveilleuses toute seule. Là, c'est la seule tache de couleur vive, mais c'est pas du tout vivant ni marrant. C'est quoi ? Le bleu représente la mer. En fait, il faut savoir qu'il y a entre 10 et 15 000 containers par an qui tombent. Exprès ou pas, des porte-containers, et que c'est une source de pollution énorme, énorme, et qu'on trouve sans arrêt sur les plages en Bretagne des containers ouverts avec des baskets, avec des tas de choses, des voitures, des machines à laver, et tout ça pollue. Et la tache noire du milieu, c'est les gros bateaux qui, au lieu de vouloir bien payer pour dégazer, ils vont chier au milieu de la mer et polluent tout le monde. Voilà. Très bien. Enfin, très bien. Très moche, quoi. Très, très moche. Bah ouais, malheureusement. Et on va finir par... par la Mococadis, histoire de... Tu vois, histoire de rigoler encore un peu. Vas-y. En 78, la Mococadis a coulé dans le nord de la Bretagne. Et je suis allée nettoyer les plages et un peu les oiseaux. Et en fait, il y a eu des milliers d'oiseaux, de poissons, toute la faune, tout ça qui était foutu. J'ai fait d'ailleurs des très, très, très belles photos durant la marée noire. Les rochers étaient comme des profiteroles, la mer était honteuse. C'était, graphiquement, c'était très beau, mais c'était terrible. Et donc, je suis allée dans un laboratoire nettoyer un peu les oiseaux avec des copines. Et mon cormoran est mort, je l'ai ramené aux Beaux-Arts. Et je l'ai moulé en élastomère et moulé en plâtre. Et je l'ai toujours gardé. C'est la plus ancienne pièce de l'expo. Mais la Mococadis a été le moment déclencheur de tout ce qui a suivi après par rapport à la nature, quoi. Là, j'ai compris que l'humain, on était sérieusement en train de délirer et d'exagérer. Et les poissons, bien sûr, qui sont tous morts, les saints, là, qui est noir.
Voilà, oui, c'est dramatique, mais et ça fait que continuer au lieu de s'arranger, donc c'est ça qui est grave. Eh ben, tristement, merci Marine, mais ça va. Je pense que les enfants qui vont venir ici, parce qu'on est dans la médiathèque de Prigonrieux, je pense qu'ils auront beaucoup de choses à lire et à comprendre, peut-être. Mais il n'y a pas que du drame, hein, y a de l'humour aussi. Oui. Ouais. Oh. Ouais. Il y a de l'humour, il y a. Bah oui, sinon. Non, non. Exactly. I think that'll hear people talking a bit ruder. Yeah, that's it.